Eh les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super. Yeah. Yo tout le monde, c'est Sofiane le Geek et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dégustation de boissons Dragon Ball. Et vous allez le voir, il y en a quand même pas mal, mais je suis pas tout seul. Je suis accompagné de Ludivine. Comment vas-tu? Ça va bien. Coucou tout le monde. Coucou tout le monde. Tu vas voir ce que tu vas boire. La dernière fois, les gars, vous le savez, on avait goûté cette canette de Goku Genki Dama. Et là, on a la canette Vegeta. Ça, tu vas le boire. Voilà. Et là, du coup, on a VB. Vegito Super Saiyajin Blue avec le Gatai Zamatsu. C'est quoi ça? Je crois que c'est de l'Ice Tea, comme de l'Ice Tea. Ouais, bah voilà. C'est de l'Ice Tea, il me semble. Ultra Ice Tea, il y a marqué. Donc on va goûter ça. Ça, je préfère. Ça me dit plus ça. Bah, après, tu sais, des fois, le goût Ice Tea dans ce genre de bouteille, c'est pas vraiment le goût Ice Tea en fait. C'est... Oui, mais c'est du thé. C'est du thé. Bah écoute, bah tu commenceras, tiens. Tu vas bien commencer. On a également le Vegeta Super Saiyajin Blue Attack Final Flash et on a le Gohan San, les gars, le fameux Ultimate Gohan. Donc là, c'est plutôt pas mal. Alors, on a des verres. Mais qu'est-ce que tu nous as ramené comme verre? Quoi? Attendez. Mais arrête, ils sont mignons, les verres. C'est Hulk Iron Man. Des verres Iron Man. Tu m'as dit, va chercher des verres. J'ai été chercher. Mais quand je te dis, va chercher des verres, s'il te plaît. J'ai fait tourner de la vaisselle. Tu pouvais pas prendre des verres normaux, je sais pas, des trucs. Mais ils sont beaux, ceux-là, ça fait bien, non? Je sais pas. Dites les verres de Ludivine dans les commentaires. Mais parlez d'ailleurs, les amis. Max de pouces bleus sur cette vidéo. Voilà, petite vidéo dégustation. Je vous l'avais promis. Enfin, on vous l'avait promis avec Ludivine qu'on allait justement goûter. Je sers plus de cobaye qu'autre chose. Hein. Oui, aussi, comme ça, à boire une gorgée. Après, je vois ce que ça donne. Tu vois, mais voilà, on va tester tout ça. Tu veux commencer par quoi? Gohan ou Vegeta à boire? Vegeta, sans hésitation. Ça sera Gohan alors. Non, je veux Vegeta. Allez, on va mettre Vegeta. Voilà, sinon... Ok, Vegeta, Final Flash. On remonte quand même. Par contre, les dessins sont vraiment stylés. Hein. Le dessin de VB. Ouais, ils sont vraiment beaux. Hein. Le Gatai Zamatsu, tout ça. Bon, alors, on va commencer. On va d'abord secouer. Alors, déjà, il y a marqué IST. Organic Iced Tea Rice Peach Juice. Donc, en gros, de l'Iced Tea avec du jus de pêche. Voilà, c'est ce qu'il y a marqué. Oui, mais c'est principalement de l'infusion à 89%. De l'infusion à 89%? Du thé noir. Ah, c'est pas le meilleur. Thé noir. Du thé noir, ouais. Ok, là, il y a marqué... Ah, il y a Toei Animation. Toei Animation encore. Bon, vous voyez un petit peu le logo. C'est fabriqué où, ça? C'est bio, en tout cas. Ouais, il y a le logo bio, hein. Ouais. Et attention, les gars. Il y a le logo, on voit pas bien là avec la caméra parce que j'ai désactivé l'autofocus, mais en gros, il y a marqué bio, il y a AB, voilà, ok. Je vais voir un petit peu les calories, 47 calories pour 250 ml, et là, je pense que ça fait 500 ml. Non, mais c'est rien du tout, c'est c'est que dalle, ça fait même pas 100 calories dans une bouteille comme ça, franchement, ça va. Eh ben écoute, vas-y, let's go, hein. On va goûter ça, tu vas goûter? Oui, allez. Allez, vas-y. On est parti. Allez, la bouteille. Je secoue bien. Alors déjà, la date, ça va. Elle est bonne. J'avais vérifié. Ouais, ça va. Hey. J'avais vérifié. 24 février 2021. Ça va. On va pas être malade. Allez, let's go. Alors. Tiens. Quoi? Toi, t'aimes pas trop le thé? Tu vas goûter. Tu vas goûter en premier. T'aimes pas trop le thé, je crois, toi. Mais va. Non. Tu vas d'abord goûter. Mais je veux sentir. Non, tu vas sentir après. Tu vas sortir après. Regardez les gars. Bah c'est du thé quoi. Ah ouais. Tu vas voir ton thé. Ça fait très infusion, oui. C'est... Tu vas voir ton thé. Non, le thé noir, c'est pas le meilleur. Vas-y. Tu vois, ça sent un peu comme l'ice tea. Ouais, vas-y. Bah vas-y, bois. Vas-y. Ah, attention. Bois si c'est comme de l'ice tea. Test. C'est bon. T'aimes bien? Par contre, c'est pas sucré, pratiquement. Ça me rassure, alors. Non, franchement, c'est bon. Attends, c'est bon? Je rebois. Ah, rebois, les gars, ok. Ça me rassure, déjà, parce que... Au niveau de l'odeur, la vérité, toi, au niveau de l'odeur... Si... Non, c'est parce que t'aimes pas trop le thé, au niveau de l'odeur, c'est chimique, au niveau de l'odeur. Non, c'est le thé. Mais par contre, je trouve que ça fait vraiment thé naturel. Il n'y a pas beaucoup de sucre. Les gars, quand faut se lancer, faut se lancer. Non, mais arrête, c'est pas non plus je sais pas quoi. Bismillah. Attends. La dernière fois, tu m'as fait goûter ton truc bleu fluo, là.
N'importe quoi. La vérité, c'est dégueulasse. N'importe quoi. C'est dégueulasse, ta connerie. Eh bah, donne-moi ça. Mais comment tu peux boire ça? Mais déjà, je savais, déjà, j'ai senti, je sentais que ça sentait la douille. Non, mais non, c'est pas bon. C'est bon. Encore la dernière fois. Vous voyez, j'ai bu ça, cette canette. Bah ça, ça avait pratiquement pas de goût. Bah c'était sucré et tout ça, mais en soi... Ouais, mais en soi, c'était comme de la limonade sucrée, tu vois. Ça, c'est dégueulasse. Bah c'est bon, justement, il n'y a pas beaucoup de sucre. Il n'y a pas... Bah vas-y, bah bon. Bah tiens, hé, bois toutes les bouteilles, gars. Tiens, prends tout. Prends tout, bois. Bois, moi, c'est pas moi qui vais te les boire. Bon, par contre... Moi, j'aime bien. Par contre, on va tester, du coup, la canette, là. La canette végétale, qui n'est pas la même... que la canette Goku. Celle-ci, c'était Spirit Bomb et celle-ci, c'est Power Boost. Donc apparemment, les goûts ne sont pas les mêmes. Alors, on va tester. Ça, hein. Par contre, ça me fait un peu plus peur quand même. Bah, tu vois, pour parce le coup, que là, c'est très non mais ça, les canettes. Non mais ça, c'est du thé. Non, c'est pas possible ta connerie là. C'est, c'est parce que t'aimes pas le thé, c'est pour ça. Ah non, chanter la douille. Dès que j'ai senti, j'ai dit là, ça sent la douille, les gars. Ouais, bon, bah, écoutez. C'est mon truc qui sent la douille là. Comment ça, c'est mon truc qui sort là? Ça va être un truc chimique. Déjà, c'est toi, t'as voulu qu'on ouvre Vegeta, Vegeta Blue, là. Eh ben, je l'ai moins fait, celle-là, elle est très bonne. Allez, les gars, du coup, on ouvre la canette. Ok. C'est quelle couleur? La dernière fois, c'était bleu. Ouais, alors là, c'est pas bleu. C'est quelle couleur? Et voilà. Bah, écoute, je sais pas, ça a l'air un peu transparent, mais je pense ça doit peut-être être rouge. Je sais pas, on va voir. On voit pas du tout, on va voir dans le vert. On va voir, les gars, on va voir. Let's go. Non, même pas. C'est transparent, c'est j'ai rosé. Raison. C'est rose un peu. Ah, c'est un petit peu rosé. Ouais, c'est rosé. Un petit peu c'est rosé. C'est beaucoup rosé. Ouais, ça se voit pas beaucoup à la caméra. C'est vraiment légèrement rosé. Ouais. Légèrement. Enfin, je sens ton truc bizarre, là. Oh, ça sent le bonbon. Ouais, Ah ouais, mais... Ça sent la fraise tagada. Ouais, mais le bonbon, ouais, mais bizarre. La fraise tagada fermentée, tu vois. C'est la fraise tagada fermentée. C'est ça. Tiens, commence, tiens. Non, non, c'est toi qui l'as choisi. Oh, purée, les gars. Allez, bismillah. Oh, ça me donne pas du tout envie, ton truc, là. Il a l'air légèrement plus naturel que la dernière fois, la canette du bleu. Bon, plus alors. Mais... Oh, purée, c'est pas comme... C'est dégueu. Celle-là, ça allait, tu vois, mais... Celui-là, purée, les deux boissons, là. Bon, ça, pour le coup, je trouve que c'est... moins dégueu que ton thé. Là, c'est très sucré. Ah bah, c'est pas bon. Mais tu sens que c'est hyper chimique, quoi. Sofiane Tester. Fais... C'est comme ça. Sens. À ton tour, tiens, vas-y. Vas-y, à ton tour. Rigole, vas-y. Ah non, ça... Déjà, ça, ouais, ça sent le chimique horrible. Ouais, ça sent vraiment le bonbon, la fraise tagada. Vous savez, ça a le goût de fraise, hein. Mais fraise... fraise! Oh, c'est pas bon! Ah la fraise qui cogne dur, quoi! Tu vois ce que je veux dire? On dirait que tu bois le glucose, le. Ouais, voilà, c'est ça! Sirop de glucose! Ah, c'est... ouais, voilà, c'est ça! Non, mais ça a un goût de sirop, tu vois, bien concentré, tu vois, avec le goût fraise tagada. Ah non! Et du coup, en limonade, bah, les gars. Oh. C'est horrible! Le goût, il reste en plus dans la bouche! Ouais, ça reste, hein. La vérité, ça reste. C'est horrible. Vas-y, let's go. J'ai même pas pris d'eau. C'est horrible. Attends, je bois mon thé, c'est pas bon. Ah, c'est pas terrible du tout, même. Ah non, je préfère mille fois le thé. Hein. Même ton thé, j'en veux pas. Ah non, tu préfères toi la canette à la bouteille. Non, même la canette, c'est pas terrible, mais je préfère quand même la canette. Les deux sont pas bons. La vérité, les deux sont pas bons. Celui-là, lors de la précédente vidéo, ça allait. Celui-là, non. Celui-là, si. Non. Après, pour les amateurs non. De thé, c'est très bon, les bouteilles. Non, t'es amateur de thé, mais qu'est-ce qu'elle me raconte, amateur de amateur thé et amatrice, amateur de conneries, là, ça, si, et si. Ton truc, là, c'est pas bon. L'écoutez pas, il dit que des conneries. Non, c'est pas bon. La vérité, c'est pas bon. Je vous le dis, hein, quand c'est bon, voilà, là, c'est pas bon du tout. Et dans tes verres Iron Man et Hulk, tu croyais que ça allait nous donner de la force ou quoi? Ça donne rien du tout. Ouais. Non, mais attends. D'ailleurs, ça... Quoi? Il n'y a pas de date encore? Mais oui, je viens de me rendre compte que la dernière fois, il n'y avait pas de date sur ça. Bah, j'avais pas regardé celle-là. Et là, je viens de me rendre compte... Il n'y a pas la date encore? Bah non. Oh. Bah non, Théma.
Ah purée, en plus, attends, parce que bah, du coup, je l'ai ouverte. Bah oui, on peut pas voir. Bon, du coup, c'est à peu près la même chose qui a marqué ici. C'est pas des dates, ça, les gars. C'est des numéros mais dont... Je comprends pas comment ça se fait, il n'y a pas des dates de péremption à chaque fois. C'est à vie. Alors dire que c'est pas bon, en plus. Tu on peux va... voir ça dans 50 ans, ce sera ah non, laisse tomber, c'est un délire. Il y a tellement de sucre que voilà, du coup, c'est conservé, les gars. C'est conservé. Il y a des conservateurs là-dedans. Il y a de la conservation, je peux te le dire. Bon, bah, du coup, les gars, on a goûté ça. Ça, c'est pas validé. Si, ça, si, c'est validé. Pas validé. Si, si, bon, si. Ludivine, elle aime bien l'été, elle aime bien tout. Ouais, ouais. Ok, madame. Par contre, bah, écoute, t'en as de la bouteille. Hein. T'en as de la ça, bouteille à boire. Ça, non, c'est juste pas bon, horrible. Ça, c'est pas bon. Tu peux reposer. Ah ouais, non. Tu peux reposer. On va pas le finir, celui-là. Ouais, non. Bref, voilà, les amis, pour cette vidéo dégustation de bouteille Ice Tea Dragon Ball. C'est pas terrible du tout. Ludivine a bien aimé. Et pour la canette, là, celle-ci, la végétale, la Power Boost, c'est Power Connerie. C'est Power Connerie, tu vois. Power dégueu. Ouais, voilà. Abonne-toi à la chaîne également si ce n'est pas déjà fait. Active la cloche pour recevoir toutes les notifications. Max de pouces bleus, les amis, sur cette vidéo. N'hésitez pas à la partager. On se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo ou un prochain live. Et comme d'habitude, la passion passe après les priorités. Ciao. Ciao tout le monde. Allez, tu vas boire des bouteilles. Tu vas en boire des bouteilles. Tu vas en boire. Tu vas en boire. Eh hey les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super. Non. Yeah!